Salut à tous et à toutes, c'est Lego du 37. Alors là, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer ma maison en Lego que je me suis construit il y a assez longtemps, mais vu que j'avais pas de caméra, je pouvais pas vous la montrer. Donc, ouais, je me suis inspiré des maisons en fait sur Google. J'ai tapé Lego maison moderne. The Modern House, pour mon petit accent anglais. Voilà. Alors, en fait, j'ai trouvé une super maison. Et donc, je l'ai un peu customisée à mon goût. Voilà, puis j'avais pas les pièces nécessaires pour tout pour toute la faire. Donc là voilà, comme ceci. Donc elle est vraiment stylée. Donc là genre on a une petite pente. Voilà, si on met un vélo, il roule. Comme ça. Là on a deux garages. Donc je vais vous montrer le garage. C'est la première pièce que j'ai fait. Vous allez voir. Voilà, deux petits trucs. Alors je vais vous montrer un peu le jardin de devant. Donc là on trouve un arrosoir Lego, une poubelle verte, une poubelle grise. Je recycle, hein, bien sûr. Vive le recyclage. Deux sapins à l'entrée. Tout un petit sol fait par mes soins. Un bananier. Un cactus. Une espèce de truc. Et puis là on a un chemin sur le côté avec cette magnifique bordure en bois sur le mur. Alors sur le toit, on trouve normal là, ma chambre, je vous montre tout à l'heure. Puis là, on va trouver des panneaux solaires en noir. J'ai mis un petit jardin. Voilà. Pour l'éco. En fait, c'est une maison écolo, ma barque. Alors on va commencer par le jardin. Donc là, en fait, là, genre, j'ai mis de l'herbe pour faire genre que j'ai pas encore tendu. Je trouve que ça fait stylé. Il y a le chien, le chat. Là, il y a une espèce de petit potager avec un petit portail qui s'ouvre. Là, on a ça normal. Je vais vous montrer plus en profondeur tout à l'heure. Le potager. Je ne sais pas si ça rend bien, je vois rien du tout. Voilà. Qui est pas mal. Avec un coq. Et aussi à l'avant, un autre. Comme ceci. Voilà, le petit jardin sur le côté. Pas trop accéder. Hop. Alors on va commencer par le garage. Voilà. Garage très fonctionnable. Attendez. Alors. Donc là j'ai une règle. Lego friend. Alors là, en fait mon garage j'ai voulu maximiser, puisque ça se dit, le maximum d'espace. En fait là, quand on retrouve, hop, voilà, les coulisses. Donc en fait donc j'ai mis une tondeuse. Voilà. Une pelle. Je sais pas si vous voyez ici une pelle. Là, j'ai mis un pied de biche. De l'autre côté, une bigue clé à molette. Une bigue clé à molette. Comment ça s'appelle? Un balai. Et une hache que j'ai eue dans les Lego minifigs. Donc là, on retrouve divers rangements. Comme ici. Et ici, il y a une lampe. Là, il y a une espèce de petite perceuse ici. Là, il y a une télé. Et là, je dis que c'est genre des petits post-it que j'ai mis. Puis on retrouve d'autres rangements. Donc là, il y a un compas. Si vous voulez, je vous montre. C'est hyper rare comme pièce. Je l'ai eu dans les Lego Harry Potter, les anciens. Petit compas qui est bien stylé. Là, il y a de l'huile et une tronçonneuse. Et là, j'ai mis une tondeuse. Donc là il y a un vélo qu'on peut mettre sur le côté. Là il y a une tondeuse, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et ce qui est bien dans cette maison, c'est qu'il y a largement la place de mettre une voiture. Donc par exemple, j'ouvre, tac, et là, la voiture est dedans, tac, comme ceci. Voilà pour le garage. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur. La pièce la plus sublime, je trouve, de toute la maison, la cuisine et le salon intégral. Alors la cuisine, enfin l'entrée déjà. Donc là on ouvre, tac, on arrive directement dans un petit séjour avec un petit mur en briquette fait par mes soins. Là une ouverture pour aller dans le garage. Tout est lisse dans la maison. Là, j'ai mis des petits carreaux blancs et rouges pour rappeler que c'est une cuisine des années un peu 80-90.
toujours avec une petite télé que j'ai eu dans le camping-car Lego City, une hotte, c'est parmi soins, des petites confiseries ici, tranquille, une petite porte. Là, j'ai fait un meuble que je vais vous montrer, qui vient de Lego Friends, enfin que j'ai inventé, mais avec des pièces Lego Friends, qui est stylé, que je positionne ici. Un petit pouf Lego Friends, une table avec un journal que j'ai eu dans les Lego, enfin Towner, Towplown, un canapé avec un petit nounours, un aquarium avec une pousse de bambou, des vitres tac, qui s'ouvrent, qui se ferment, et un superbe écran plasma. Ça ressemble à ça en gros, qui est pas mal du tout. Voilà, avec le petit noir en briquette qui va bien. Voilà, alors là on passe à ma maison. À ma maison, à ma chambre, parce que la maison c'est déjà fait. Donc là toujours un petit écran, parce que je suis un gros accro de la télé. Tac, des petits bouquins, normal. Un lit. Et puis voilà. Bon, j'ai mis des bouquins pour faire genre que je suis un intellectuel, mais pas du tout. Non, je rigole. Je suis hyper intelligent. J'ai 15,5 de moyenne, trop fort. Voilà. Alors maintenant, on ouvre. Et là, on tombe sur la salle de bain. Attendez. Je remets des petits trucs sur la transportant. Je suis allée en vacances, puis je l'ai emmenée. Soyons fous. Là, j'ai mis un petit porte-savon. Là, un autre. Et là, j'ai mis de l'eau. En fait, j'ai essayé, mais c'est trop moche. Avec de la mousse rose. Enfin, ouais, c'est pas trop. Là, il y a un lampadaire. C'est par mes soins. Voilà, petite porte qui s'ouvre, normal, qui donne sur une petite terrasse, qui donne sur la piscine, qui donne sur un plancher, qui donne sur une autre terrasse, qui donne dans le jardin, qui donne sur le petit passage, on s'en fout. Voilà, alors là, donc le petit fauteuil, petit endroit surélevé, et là, donc les toilettes. Voilà, avec le papier cuit ici. Important hein, pour l'hygiène, les petites brosses à cheveux dans différents petits pots et le robinet en or massif qui vous plaît, avec une petite radio pour écouter la musique et dans les Lego minifig le rappeur. Voilà, donc là c'était ma maison avec le petit pot. C'était ma maison et je la kiffe grave. Salut, à plus.